was so beautiful. I mean, it really was like creating Place Vendôme in the middle of the Palais Royal. It was so beautiful. And the lights and all the girls with the shoes that lit up at the end were so amazing. But I mean, I think also just the combination of the darkness and the haunting quality, but then there was still so much femininity, but very structured. I loved it. I loved the fabrics. I loved the structure. I loved the kind of Addams Family quality that it had. You know, I love to reference movies and TV shows for things, so yeah, it was beautiful, creepy and gorgeous. Je trouvais ça bien d'utiliser le Grand Palais un petit peu différemment, d'utiliser la nuit, les étoiles, comme on retrouvait en effet dans les vêtements toutes ces paillettes, ces brillances. Non, c'était super. Et puis le petit clin d'œil des petites lumières sur les chaussures, j'en veux. C'est toute la magie, c'est que on est à chaque fois surpris. C'est la surprise d'être surpris, en fait, qui est étonnante. Qu'ils y arrivent encore. Bah oui, c'est magique, moi, c'est... Voilà, c'est la seule maison qui me fait rêver. Merci. Les silhouettes étaient incroyables. C'était d'une féminité, mais en plus tellement Chanel, tellement classique et tellement droite, et à la fois avec cette touche de fantaisie, c'était très coco. Je suis arrivée comme ça avec la espèce de Place Vendôme sublimissime, et avec les tenues et la musique et le show, il m'a encore eu. Je les voyais marcher, je les voyais Place Vendôme un soir d'été à marcher comme ça dans la rue sans personne autour et j'étais totalement dedans, mais vraiment, j'étais complètement dedans. J'aimais bien les tailleurs déclinés blanc et noir, très classiques, mais brodés avec les paillettes, ça, je trouvais ça magnifique, même à mettre avec un jean, ça peut être super. Et les robes longues, il y avait des très belles robes Enfin, moi j'aimais bien en chiffon noir, un peu transparent entre les plis plissés. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment des très belles choses. Chanel, c'est Karl, et l'âme de Karl qui est en même temps l'âme de Coco. À chaque collection, c'est décliné en mille façons. Donc on retrouve Coco, mais la patte de Karl est très visible. Et la raison pourquoi j'aime Chanel, c'est que c'est classique, mais c'est à chaque fois. Un nouveau rêve, une nouvelle déclination du chic et du classique, et en même temps nouveau, jeune.